chez Gramiterme. On coupe de l'herbe naturelle et on va défibrer cette biomasse pour en faire des panneaux isolants thermiques qui ont un excellent bilan carbone et une efficacité thermique pour le bâtiment. Voilà, donc chez Gramiterme, on est transformateur de biomasse perdue et on transforme tout ça en panneaux impact positif et avec une efficacité thermique. Voilà, ça c'est notre métier tous les matins. On se lève chez Gramiterme pour faire ces panneaux. Il y a 72% de fibres d'herbe. On y rajoute également 20% de fibres de jute. La fibre de jute est une fibre que l'on va recycler au départ de sacs de café et de cacao que l'on récupère au port d'Anvers. Et puis on rajoute une fibre de liaison pour venir former la nappe et faire nos panneaux. Ce sont des panneaux donc 40 kg cubes en densité. Et on retiendra 4 points sur ce produit unique. On retiendra tout d'abord qu'on a un excellent isolant thermique contre le froid, mais surtout contre le chaud. Donc on va se retrouver en déphasage de 9 heures pour un 240 mm d'épaisseur. Donc c'est un bon généraliste thermique. Le deuxième point qui est fondamental pour Gramiterme, c'est sa capacité à prendre l'humidité et rejeter l'humidité. Autrement dit, on a une excellente régulation de l'humidité, de l'eau, de la perspirance du produit, ce qui donne un confort intérieur, mais surtout cela va être un gage pour l'efficacité thermique longue. Nos panneaux sont garantis 50 ans. Et puis enfin, on est non irritant, voilà, non allergène, pas de danger à la pose et à la découpe, et bilan carbone négatif. 1 kg de Gramiterme absorbe 1,5 kg équivalent de CO2. Donc Gramiterme est une des solutions pour décarboner la construction. Voilà pour le produit. On a une usine qui est installée à Sambreville, donc entre Namur et Charleroi, sud de la Belgique, proche de la frontière française. Et cette usine a aujourd'hui une belle capacité installée. On est une petite équipe encore aujourd'hui, mais on se développe et on axe notre développement vers les filières bois. Voilà, on fait de plus en plus de coffrages. Avec les boiseux qui font du montage hors site, c'est vraiment notre spécificité. On est très bon aussi pour la partie rénovation et notamment les vieux bâtis qui sont particulièrement intéressés par le produit. Chez Gramiterme, récente. Tout d'abord, il y a 15 jours, on a le plaisir d'avoir été le coup de cœur du hub bas carbone. Donc on est mis en avant par les prescripteurs bas carbone. Pour la raison carbone, pour la raison isolation thermique et aussi pour le caractère absolument unique de notre solution, puisqu'on est les seuls aujourd'hui au monde à faire des panneaux qui utilisent l'herbe naturelle. Et puis deuxième info aussi, on a envoyé du Gramiterme au Québec. Les Québécois sont en train d'isoler leur bois en maison bioclimatique avec notre isolant et de présenter ça effectivement. Donc, une traction vers intéressante en termes de développement. Beaucoup de contacts en France aussi dans la région ouest, Bretagne, par à terme intégrer des productions Gramiterme dans le cadre de la structuration filière herbe en France, qui est en train enfin de bouger après quelques années de retard. Mais voilà, nous on accompagne toutes les opportunités d'herbe pour l'avenir. Alors on est label Solar Impulse depuis maintenant un an et demi, bilan carbone négatif, donc tout ça a été certifié. D'ailleurs la fondation Solar Impulse nous suit depuis le début. Pour la simple et bonne histoire aussi que Gramiterme est né en Suisse, est né à Lausanne, donc on était à proximité de Bertrand Piccard et de toutes ses équipes. Qui réellement s'inscrit dans la stratégie d'entreprise, il y a deux choses importantes pour un label biosourcé. Toute matière, quelle qu'elle soit, qui rentre dans l'usine, doit provenir de moins de 300 km de l'usine, du site de fabrication. Donc volonté de s'intégrer dans un écosystème régional, cette crédibilité qui dit pour les précepteurs qui nous choisissent.